Et bonjour à tous. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc on va aller attaquer les déchômages. Donc j'en ai déjà réalisé une petite surface derrière des colzas et puis un petit peu derrière du blé. Je vous expliquerai aussi avec un retour sur un essai que j'ai eu l'occasion de faire d'un Fendt 1050. Donc essai indirect, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai fait l'entretien sur le tracteur. On peut aller déchaumer, je l'ai soufflé, graissé. C'est prêt à partir. Allez, à tout de suite. À déplier, pendant ce temps-là, je vais aller vous faire voir dehors. Donc mon ensemble, c'est l'ensemble que vous avez vu l'année dernière, 8245 R jumelé devant et derrière, dégonflé à 1 kg par roue, lesté, là il fait 16 tonnes dans cette configuration, et derrière un 49 de 6 mètres, 3 rangées dedans, une rangée de rouleaux, enfin de disques de nivellement, et deux rouleaux qui rappuient le tout. Donc là vous pouvez voir donc sur cette parcelle que j'ai attaqué hier justement, donc il y a déjà pas mal séché. Donc c'est assez problématique en ce moment parce qu'on jongle entre les parcelles étant donné les conditions relativement sèches qu'on a. Il y a des endroits qui sont trop secs pour déchaumer. Ici sur ce site, donc on est au proche de l'exploitation, ça se passe pas trop mal. Donc je fais un déchômage autour de 15 cm de profondeur, donc effectivement assez profond, mais je suis obligé d'aller à cette profondeur pour pouvoir déprendre toute la terre et que toutes les adventices se retrouvent les racines à l'air. Donc ici, parcelle derrière betterave, donc c'est derrière le blé dur, derrière antéprécédent betterave, où il y avait eu des soucis de désherbage et beaucoup de kénopodes. Donc c'est pour ça que je suis obligé de rentrer pour pouvoir détruire mécaniquement toutes ces adventices. Donc pourquoi jumeler le tracteur? Pour avoir une meilleure adhérence, parce que là, dans cette configuration là, je ne passe pas jamais 10% de patinage avec le jumelage avant-arrière. Donc il est équipé en 620-75-30 devant et en 650-85R38 derrière, donc des pneus qui font 2,05 m de diamètre avec des masses de roues dans le tracteur plus la masse à l'avant sur le relevage avant. Pour l'outil, donc c'est un outil traîné, semi-porté. Donc vous voyez ici, j'ai fait du colza avant, il y a quelques liserons qui restent sur les dents. Trois rangées dedans, avec des socles qui font 8 cm de large. Ici, donc vous voyez, c'est des socles carbure. Une pastille en carbure juste devant.
avec une sécurité mécanique, avec un ressort donc, qui permet d'effacer la dent sur des pierres, mais aussi certains endroits où les dents se mettent à pianoter parce que c'est trop sec. L'essieu de transport qui permet de faire les demi-tours. La rangée de disques de nivellement qui permet de décréter les buts qu'il y a devant chaque dent. Je vous l'avais présenté l'année dernière. Et le double rouleau DPW de chez Lemken qui fait 55 cm de diamètre, qui permet d'avoir un rappui uniforme qui réalise derrière le faux semis de rappuyer pour refaire lever une autre génération d'adventices qui sont présents dans le sol et pouvoir les détruire sur un déchômage prochain. Donc juste avant ça, je vais commencer par dégager toutes les dents, tout le liseron qu'il peut avoir sur ses dents. Donc c'est juste pris autour, donc ça fait une boule, c'est assez chiant parce qu'on n'arrive pas, ça n'arrive pas à s'évacuer tout seul. Donc ça fait des petits paquets et tous les 10 hectares, bah, je suis obligé de les dégager. Simplement pour vous faire un retour sur le produit qui est le Fendt 1050. Ce que moi j'en ai pensé par rapport à mon 8 heures, malgré les 200 chevaux d'écart, je vais vous citer quelques points. Donc on a un déchaumé donc sur une parcelle en argile lourd, conditions je vais dire très sèches, parce qu'on était obligé, donc déjà on a cherché à rentrer l'outil pour faire tirer le tracteur justement et voir un petit peu la puissance et l'adhérence qu'il peut avoir. Et donc ce qui emmenait des gros blocs, on a mis le carat donc, qui est derrière, de 6 mètres derrière. Donc pour faire un retour sur le tracteur, donc 1050 équipé en 710-946 derrière, vario grip, avec 1250 kg de masse dans chaque roue arrière et 3 tonnes 300 devant. Donc un tracteur qui est entre 19 et 20 tonnes sur la bascule. Donc ce qu'on a aimé sur ce tracteur, ben, donc, c'est déjà sa polyvalence pour un tracteur de 500 chevaux. Donc c'est quand même un bon point, parce que quand on est vraiment en très très grosse traction, on arrive à le mettre en défaut en termes de patinage. Bon, en été, c'est pareil, dans des conditions ultra sèches, de la chaleur, direct sur des pailles, donc ce qui amène aussi un patinage. On aurait été sur un sol déjà dépris un peu, le tracteur aurait peut-être mieux cramponné. On était sur des pourcentages de patinage de 15 à 20%. Sinon, l'autre point, bon, bah, la boîte Vario qui est vraiment très intéressante et qui amène une bonne conso. Le gros point positif du tracteur, c'est sa motorisation. Donc le Blockman 12 litres 5 avec un couple assez énorme. On était en 100% charge moteur sur le tracteur avec un régime moteur de 1400-1500 tours moteur. C'était vraiment pas mal. Qui amène derrière des performances en termes de consommation qui sont fidèles à Fendt, hein. C'est quand même pas être réputé d'être dans les tracteurs les plus gourmands du marché. On était autour de 18 litres hectares pour une vitesse de travail entre 7 et 9 km/h, un patinage comme je vous ai dit de 15 à 20, on faisait autour de 18 litres hectares pour une profondeur de travail de 25 cm en un passage. Donc c'est très honorable. Moi ça m'est arrivé de faire du travail autour de 20 cm, 22 cm avec le 8000. Je suis plutôt entre 5,5 et 6%, l'STA à 16 tonnes, et j'arrive aussi à monter à 20% de patinage dans ces configurations-là. Donc on a 200 chevaux d'écart, mais on amène quand même un débit de chantier et une qualité de travail meilleure, sachant que les outils à dents de ce type-là sont plutôt faits pour travailler entre 8 et 10 km/h qu'à 5-6. C'est aussi une des raisons pourquoi moi je travaille en 2 voire 3 passages plutôt qu'en 7. Donc voilà un petit peu mon retour que je pouvais vous faire sur le 1050. Je vous ai mis des rushs vidéo en même temps, comme ça vous avez une idée de cette démo. Mais comme je vous dis, pas plus de commentaires, on parle simplement des performances du tracteur
et pas de nom ni rien quant à un achat possible de ce tracteur dans la région. Voilà. Donc comme je vous le disais, je suis en train de déchaumer donc derrière du blé dur pour un maïs l'année prochaine. Donc l'ITK qui est à venir, donc ça sera un à deux passages supplémentaires du carat ou un passage et un passage des vibroculteurs, on verra selon les conditions climatiques. Déchaumage assez profond comme je vous le disais pour vraiment tout arracher et mettre les racines à l'air des chénopodes et des amarantes suite au problème de désherbage betterave que j'avais eu sur l'anté précédent. En termes de débit de chantier, je suis autour de 5 hectares heure, demi-tour compris, pour une consommation entre 10 et 12 litres à l'hectare avec 5% de patinage. Donc là, effectivement, le jeune dire tire bien son parti avec le jumelage. Autre point de retour que je vais vous faire sur la vidéo de la semaine dernière sur le Dolly. Simplement, pour recadrer un peu, à tous ceux qui me suivent, c'est pas d'être méchant, mais regardez les vidéos, regardez les commentaires d'autres personnes, allez sur la page Facebook, vous avez pour 80% du temps réponse à vos questions. Donc c'est un peu lassant. Moi j'en ai un petit peu marre, je vais vous dire de vous répondre concernant l'homologation du Dolly. Je vous ai déjà dit qu'il a été passé à l'homologation, aux mines qui disposent de sa carte grise, que sur le passage aux mines et à l'homologation, la taille des roues n'a pas été stipulée, que voilà pourquoi j'ai mis des roues plus grosses. Je vous l'ai expliqué en vidéo, donc je vous refais un point un peu synthétique, mais je ne vais pas vous répondre à chaque fois sur ces questions-là, c'est déjà répondu. Voilà. Sinon, je vous fais des vidéos de 30 minutes à chaque fois avec des redites d'une vidéo sur l'autre. Ce serait un peu barbant, voilà. Allez, sur ce dernier point, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous présenter peut-être l'entretien courant qu'on peut faire suite à une journée de déchômage ou d'autres travaux, on va voir selon la météo. Ils annoncent peut-être un petit peu d'eau pour cette fin de semaine. On verra tout cela. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage et bonne fin de vacances à ceux qui le sont. Allez, ciao, bye bye.